Je suis en compagnie de l'entraîneur joueur du plateau de Sceaux. Voilà, vous avez réussi à vaincre les Cruxéens ce soir. Voilà. Donc, une petite analyse du match aujourd'hui. Ben écoutez, je pense qu'on a assisté à un très bon match de rugby, vraiment très très engagé des deux côtés, avec une superbe équipe Sainte-Croix. On connaissait pas du tout, mais on avait entendu dire que c'était une belle équipe, et c'est vraiment une très très belle équipe. Voilà, on n'a pas craqué, on n'a pas trop fait de fautes, on est bien resté dans la partie. On a su concrétiser sur la fin de la partie sans s'affoler. Voilà, moi je suis très 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 fier du groupe, des garçons, parce que c'était une victoire très importante. Ce soir on est premier avec 10 points d'avance, donc c'est très très bien quoi. Voilà, donc moi je tiens à féliciter Sainte-Croix-Lovestre pour la réception qu'ils nous ont offert, parce que c'était vraiment un bon match de rugby. C'était peut-être le plus joli match qu'on a joué de la saison, avec une super opposition en face. Et voilà, une très bonne partie, on rentre content et c'est très très bien. Vous n'avez pas été inquiet à un moment où vous voyez beaucoup Sainte-Croix jouer dans votre camp et peut-être sur un coup du sort le match a basculé? Si, bien sûr, ils ont été très dangereux toute l'après-midi, mais bon voilà, nous on a su rester solidaires en défense sans trop faire de fautes. A noter un très bon arbitrage depuis le début de la saison, c'est peut-être la première fois qu'on est très bien arbitré comme ça, et c'est très bien. Il a tenu la partie dans les deux sens, et ça s'est très très bien passé. Voilà. Votre ambition pour cette année, en fait, c'est vraiment de terminer premier pour éviter les barrages et continuer votre évolution? Tout à fait, d'aller le plus loin possible. Hein. Voilà, c'est un groupe où il y a eu beaucoup de changements, où nous on vient à une paire, on est des nouveaux, et il y a une super ambiance, hein. C'est très bien, c'est des choses qui soudent un groupe, hein. Une victoire dans la difficulté comme aujourd'hui, avec une belle opposition, c'est très très bien. C'est-à-dire que Patrick, aujourd'hui, on a vu une belle équipe très vaillante du RCC. Malheureusement, à la fin, c'est le plateau de Sceaux qui gagne. Oui, mais autant j'étais très déçu de notre comportement au TAC il y a 15 jours. Autant le point du bonus défensif au TAC ne m'avait pas du tout convenu, et le comportement des joueurs encore moins. Autant aujourd'hui, c'est un point de défensif que nous avons au bout des 80 minutes. Mais franchement, c'est cruel pour les joueurs, pour les 22 joueurs aujourd'hui, Cruxem, parce que on a fait trembler quand même le leader incontesté. Et on a montré, outre des qualités de vaillance qui sont des qualités bien ancrées dans le groupe, des qualités aussi dans le jeu. Des qualités au niveau défensif où on les a perturbés, où on les a un petit peu perturbés sur leur lancement de jeu. Et parce que si dans le premier quart d'heure, avec le volume de jeu qu'ont mis les visiteurs, si jamais donc on n'était pas rentré dans la partie de la manière dont je viens de te citer, Franck, l'addition aurait été corsée à la fin du match. Vous avez quand même une petite difficulté en courant du match. Mathieu Robodeau est obligé de sortir, qui est quand même un lanceur d'alerte sur le terrain, non? Oui, mais c'est pas. La sortie de Mathieu, c'est sûr, nous a un petit peu handicapé. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la prestation des 22 joueurs. Qui m'a réconforté aujourd'hui sur les qualités de ce groupe, même si encore une fois, et je me répète, c'est cruel parce que on perd ce match sur une grosse bêtise, et on n'en a pas fait beaucoup de grosses bêtises. Ça a été la seule ce match, et en équipe de haut du tableau et en état réaliste, ils ont profité de cette situation pour donc enfoncer le clou sur l'essai qui marque donc en fin de match. C'est un essai de raccro ou c'est un essai qui est normal Non, c'est un essai de raccro, c'est suite à un jeu au pied de leur neuf, bien dosé, bien fait, dans l'angle mort. Bon, deux joueurs de chez nous qui se gênent, ils sont un petit peu contrés et le ballon roule, ils marquent l'essai, un essai. Voilà, un essai de raccro, un essai qui ressemble à rien, mais c'est un essai. Et ce genre de situation, bon, c'est sûr que contre les équipes du haut tableau, on les paye cash, comme on dit dans le jargon. Voilà, mais encore une fois, comme on disait Pascal, c'est rassurant pour la suite de la saison, tout en sachant qu'aujourd'hui on a fait une croix un petit peu sur
la première et la seconde place de la poule parce que quand même on lâche des points aujourd'hui à la maison, plus les fameux points au tac. Donc ça va être compliqué de finir les deux premiers. Mais maintenant, l'objectif, c'est de finir 3-4 et surtout de répéter ce genre de match de qualité. Parce qu'aujourd'hui, franchement, ça a été un match de qualité de la part des deux équipes et avec un très bon arbitrage. Franchement, c'est un match de phase finale, je dirais.